Une victoire qui a été saluée à sa juste valeur à Diokoué, où les populations sont descendues dans les rues pour laisser éclater leur joie. Cela se passe de commentaires. Il faut reconnaître qu'on a joué un très bon football et nous sommes fiers de l'équipe nationale. Ama, à 90 km de là, même ambiance, même chaleur et même effervescence. Les rues et artères de la ville occupées de partout. L'amphithéâtre Alassane Ouattara, transformé pour la circonstance en fan zone. Les étudiants et leurs maîtres ont savouré la qualification du 11 ivoirien. Vous avez été châtié, c'est parce qu'on voulait qu'ils prouvent ça. Ils donnent du bonheur à tout le peuple ivoirien. Nous leur disons merci. Nous disons merci au chef de l'État. Nous disons merci à toutes les autorités. Je suis très heureuse pour cette victoire et je remercie le bon Dieu pour tout ce qu'il fait. On espère pouvoir être qualifié encore et puis gagner la coupe. La Côte d'Ivoire a joué avec le cœur. C'est-à-dire qu'ils ont défendu le maillot, ils ont défendu le drapeau de la Côte d'Ivoire. Vraiment, je suis fier de mon pays. Cette qualification pour le quart de finale, c'est un beau cadeau. Je remercie les élèves forts. La qualification méritée des Ivoiriens a été célébrée toute la nuit durant jusqu'au petit matin dans le district autonome des montagnes.